est tip top vraiment pour un cours de sport. Donc cette semaine, nous allons partir en Belgique, à Bruxelles. Donc et en même temps, dans le groupe, on fait quelques animations pour les moments sportifs à la maison. Donc les cours sont tournés l'après-midi, vous les avez à disposition. Vous pouvez les faire à 18h30 comme d'habitude, en replay le matin ou même l'après-midi. D'accord? Ça va se passer comme ça pour cette semaine. Donc s'il y a déconnecté, c'est cool. Sinon, bah, prenez le cours quand il arrive. Donc je vais lancer ma montre, je n'ai pas oublié. Voilà, j'ai pris un petit peu de carnitine pour brûler un petit peu de gras, un peu plus. Sur ma montre, je mets le body pump, je prends les poids, on s'échauffe et on y va. Les warriors, c'est parti. Donc pump full body. Comme d'habitude, mettez des poids assez lourds pour avoir plus d'intensité et avoir forcément plus de résultats pour cramer du gras d'un côté et d'autre part vous tonifier, vous sculpter. Au programme du jour, donc on aura les chansons principales, à savoir le bas du corps, le haut du corps. On finira par un petit peu d'abdos si on a du temps. Allez, donc on y va. J'enlève le chrono. Non, je vais le laisser. Tiens. Et c'est parti, donc même s'il sera décalé. On y va, pieds sous les hanches. Let's go. Allez, on s'échauffe. Pieds sous les hanches, position de base. Enroulez. Fixez le dos. Descente levée, 2 et 2 avec moi. En bas, au genou, en haut, et vous remontez. Je viens de faire le cours de fessier. Bon, tu peux enchaîner. Hein. Tu auras un petit peu mal aux fesses, mais bon, c'est pas grave. Allez, tirez. Redescendez au niveau des genoux. Et redressez. En bas. Serrez les coudes. En bas. Accélérez. Single. 1, 2, 2. Et un, les genoux légèrement fléchis, les filles. La nuque est longue dans le prolongement du dos. Allez, excellent. On échauffe un peu plus. Triple tirage en bas. Restez. Stop. 3, 2, 1. Hé hé. Nous sommes à Oxford et l'école finit à 15h15. Ok, ben, parfait. Ok, tirage poitrine. 2 et 2. Vers le haut et vers le bas. C'est cool parce que même si les mamans ne font pas un live, elles sont toujours là à mettre un petit commentaire. Il y a Charlotte à côté, hein? Ok, un double. On va voir ses petits pieds qui bougent. Elle peut pas faire du sport, pourquoi? Une genre de sciatique, ouais, t'es allé chez ostéo, c'est pour ça. Oui, mais demain tu feras le cours, hein? Ouais. Accéléré, single. Dommage, c'est mon cours préféré, je le ferai demain. Bah oui, c'est fait pour. Toujours de nouveaux cours pour jamais vous lasser. Et aucun cours n'est identique. Hein. Gardez ça, décollez les talons. Haut et bas. Haut et bas, regardez. C'est comme un tirage haut. On décolle les talons, on cède. Génial. La suite, épaule jetée, single, squat, prête. Elle est enceinte, pauvrette, ne la gronde pas, elle a le droit à tout. Bisous Charlotte. Elle a le totem d'immunité. Allez, génial. Dernier. Stop. Pied large, squat, 2 et 2. Allez, ouvrez les orteils, ouvrez les genoux. Poussez les fesses vers l'arrière, vers le bas. Excellent. Abdos bien engagés. 1, 2. Stop. En haut, en haut. Vous arrêtez les fesses au niveau de vos genoux. 90 degrés. Excellent, on met du rythme, on crame du gras. Single time. Bas, haut, bas, haut. Oh my god! Cardio accélère bien, hein? Ça va à la maison? Dernier, reculez jambe droite, sac à défente. 1, 2, 3, 4. Changez de jambe, je fais la séance plus tard, il y a intérêt. 2, 3, 4, single, droite et gauche. Droite et gauche. Amenez le genou arrière vers le sol. Levez le buste. On est bon ou pas? Finissons. Élévation latérale, 2 et 2. C'est le live pour aujourd'hui? Oui, c'est ça. Ce soir, on est en live pour un challenge ventre plat. Jeudi, vendredi, on est en Belgique. Manger des frites et des gaufres. Accélérez, single. Haut, bas,
Oh, bah. Oh là là, c'est lourd là. Ouh. Allez, accrochez-vous, c'est les abdos. Finis sur ça. En haut, développé, push. Haut, bas, haut, bas et bas. Génial. Allez, vous êtes chaud ou pas? Moi, oui. Enfin, vous le dire, au moins. On est au courant. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à bouger la fenêtre. Si, c'est bon. Parfait. On est good. Allez, bas du corps. Comment on va travailler? On va travailler un petit peu différemment. On va commencer par des fentes bulgares. Les pieds sur un canapé, sur une marche, un petit peu en contre-haut. Et ensuite, on finira par du squat. Donc, pré-fatigue sur les fessiers. Prenez vos poids. On y va. Donc, on commence la jambe gauche en haut, jambe droite en bas. Serrez les abdos, buste levé, fente 3 et 1. 3, 2, 1, en haut. Genou en ligne avec le milieu du pied. Vous pouvez garder la main comme ça devant et l'autre sur le côté. Accélérez. Bas, haut, bas, haut. Donc petite amplitude, c'est ok. On va rester un moment quand même sur une jambe. Hein. Ça va défoncer. Ok, ralentissez. 2 et 2. En bas et en haut. Poussez dans le talon sur la phase de montée. Oh là là, j'ai déjà mal. Allez, la dernière. Changez rapidement de jambe. On reprend. 3 et 1. 3, 2, 1. Donc le pied en contre-haut. C'est pour nous permettre d'être bien vers l'avant. Engagez bien le fessier. À nouveau single. 8, 7, bas, haut, bas, haut. C'est mal, hein? Allez, courage, on reprend comme tout à l'heure. 2 et 2, plus lent, en bas et en haut. N'allez pas jusqu'en haut. Gardez le genou légèrement souple. Ah, génial, c'est la dernière. Squat normal, 2 et 2. Donc squat normal, les pieds un peu plus larges que les hanches. Poids du corps dans les talons. Fesses vers l'arrière et vers le bas. 3 pulses en bas, let's go. 3, 2, 1, en haut. Allez, génial. Tout petit pulse, ça crame, hein? 2 et 2, fluide, en bas, en haut, en bas. Poussez-moi ces genoux vers l'extérieur. Bien engager les fessiers. Dernière fois, ouvrez talon pointe plus large, 2 et 2. Squat extra large. Oh, poids du corps sur le côté du pied. 3 pulses à nouveau. 3, 2, 1. Tout petit. Levez le buste. Gardez loin devant vous. On reprend fluide. 2 et 2. Wow. Donc les poids, vous les mettez soit en bas, soit en haut. Vous les enlevez, c'est vous qui décidez. On remet 3 pulses en bas. 3, 2, 1. Sentez la différence entre le squat et le squat large. En tout cas, j'ai chaud. Hein. Squat extra large. 3 et 1. Donc ici, les orteils bien ouverts. On met le focus sur l'intérieur des cuisses. C'est la dernière partie de la chanson. 3 pulses en bas. 3. En haut. Wouhou! Caliente. Allez, génial. Dernier. On reprend le contrôle. 2 et 2. On est bientôt à la fin. 30 secondes. Serrez le fessier sur la montée. Toujours les abdos serrés. Et on finit en pulse. 3 fois. 3, 2, 1. 3. On peut descendre plus bas ou pas?
Finissez fort. Bloqué en bas. Relâchez. Oh là là. Oh là là. Je transpire ou pas? Oui. Oui. Tu dis oui, t'avais pas regardé. Ah bah, dis donc. On crame du gras. Hein. Je ferai le replay ce soir. Je suis au travail là. Bah oui, normal. Si je fais le cours en cuisinant, mes collègues vont rire. Pourquoi pas? Tu peux dire à tes collègues de le faire aussi. Bien, génial. On passe au haut du corps, poitrine. Besoin de poids. On met des pompes, on met des écartés. Et on met des développés. C'est good pour vous? Cours que je ferai ce soir, bien sûr. Allez, mettez-vous au sol. Donc comme tout à l'heure, on va pré-fatiguer. Avec quelques écartés, ok? On ouvre et on ferme ici. D'accord? On ouvre et on ferme ici pour démarrer. On aura des pompes et à la fin, on reprend les poids pour pomper au maximum. Let's go. On y va au sol. Placez les paumes de main l'une vers l'autre. Pied au sol. Abdos serrés. Ventre rentré. Écartez lentement. 4, 3, 2. Touchez les coudes au sol. Remontez. 4, 3, 2, 1. Ouvrez et étirez la poitrine. Remontez, contractez. Un peu plus rapide. 3 et 1. Bas, bas, bas et haut. Gardez le bas du dos proche du sol. Regarde vers le plafond. On accélère encore. 2 et 2. En bas. En haut. Donc ici, on isole la poitrine. On tonifie, on raffermit le haut du corps. Excellent. 3 pulses en bas, tout petit. 3, 2, 1. Serrez fort. Come on, come on, on contrôle. On contracte et ça pique. Du début, super lent. 4, 3, 2, 1. Lent vers le haut. Et oui les filles, ça tremble. Hein. C'est plus dur, on va refaire la même chose du début. 3 et 1. Étirez. Et contractez. La tête bien plaquée au sol. Nombril bien rentré, toujours. Fluide, 2 et 2. En bas et en haut. Vous sentez ou pas? J'ai envie qu'on mette un petit plus de temps sur ça. Allez, génial. Deuxième accélération avec moi. 3 pulses en bas, let's go. 3, 2, 1, contracté. Vous devez sentir, hein, tout petit. Touchez le sol ou frôlez-le. C'est la dernière. Posez les poids, position pompe. Mettez-vous à genoux. Ok, ouvrez sur la droite. Ouvrez, ouvrez. Pied, montez au milieu. 1, 2, 3, 4. Sur votre gauche. 1, 2, 3, 4. Milieu. Essayez de garder le rythme. Ouvre, ouvre, plie, remonte. Ouvre, ouvre, plie. Remonte encore les filles. Bisous. Gros bisous, pardon. Allez, génial. Poussez bien dans le sol. Ok, on y va pour 3 pulses sur le côté. Restez. 3, 2, 1. Remontez. Restez. Et au milieu. 3 pulses. Restez. Même chose à droite. Ouvre. Ouvre, 3, 2, 1, reste. Jusqu'au bout, c'est la dernière. On pulse. Remontez, prenez les poids cette fois-ci, développez, couchez. En bas et en haut. Pousse contre pouce. Ici, vous descendez les coudes au niveau de vos épaules, au niveau de vos poignets. 3 petits, 3, 2, 1. Ça pique, hein? On finit le job. Large en bas, serré en haut, mais cette fois-ci, plié, poussé. C'est la différence. 2 et 2. Bas, bas, haut, haut.
Ventre toujours rentré. Abdos toujours serrés. Et bloqué en bas. Relâchez. Ça pique ou pas? Vous me direz en commentaire. Hein. Ah, il y en a qui, comme ils m'envoient en fond d'écran. C'est cool. Dans les oreillettes, au boulot. Ça fait du bien. Ok, prochaine chanson, c'est le dos. Pour renforcer le dos, comme d'habitude, des tirages. Ok. Mais aujourd'hui, pour bien isoler, j'ai envie qu'on commence au sol. D'accord, on va faire un petit peu de Superman pour bien renforcer la posture. Ensuite, on aura des tirages. Et ensuite, on aura des épaulés jetés et des jetés. D'accord. Isolation aujourd'hui, globale, puis cardio. C'est ce qu'on va faire. Let's go. Au sol, donc, à plat ventre. Allez, on y va. Oh, on est bien. Bon, après fatigué, ici, on va commencer par décoller la jambe droite, gauche, droite et gauche. En haut, en bas. Lève, lève, pose, pose. Ok, levez les deux en même temps. En haut, en bas. Commencez à décoller le haut du dos aussi, du corps, pardon. La poitrine contractée, serrée. Ok, allongez les bras pour un peu plus d'intensité et posez à chaque fois. Je décolle, je repose. Allez, 4 minutes pour renforcer le dos, génial. Bloqué en haut, restez. Petit pulse, pulse, pulse. Genoux décollés, épaules décollées. Tirez tout ce que vous pouvez tirer vers le haut. Allongez les bras et les jambes. 4, 3, 2, et relâchez. Prenez les poids, levez-vous. Descente tirage, en bas. Tirez les omoplates, en bas. Accélérez direct, single. Genou, tirez. Donc de profil, ça donne ça. Le dos est plat. J'essaie de serrer au maximum mon t-shirt avec mes coudes et mes omoplates. Plus intense, triple tirage. 3, 2, 1. Redressez, plongez, même chose. 3. Restez en bas, tirage alterné. Droite, gauche. Droite, gauche. Je tire, c'est bon pour vous? Restez en haut, alternez droite et gauche, go, pousse, tire, pousse, tire. On a déjà fait 2 minutes pour bien tonifier, sculpter. Place au cardio, redressez-vous, épaules jetées, single, squat, presse, squat, en bas. Utilisez vos jambes, demi-squat, presse. Demi-squat, lève. Triple jeté vers le haut. 3, 2, 1, en bas. 3, 2, c'est cardio ou pas? Un peu trop pour vous? Ah mince, désolé. C'est le cours de ce soir? Oui, oui. Je suis en live. On prépare ça parce que on sera dans le groupe Maman Sportive à la maison. Pour un challenge ventre plat si ça vous intéresse. Ok, descente levée, 2 et 2. Oh là là. C'est hyper cardio ce truc. Amen, je bosse, je me doute. Replay, c'est fait pour. Retour aux épaules jetées. Squat, presse. Waouh. Là, c'est hyper cardio et tous les muscles du haut du corps travaillent. Les bras, le dos, les épaules. Triple jeté. 3, 2, 1. Serrez bien les abdos quand vous poussez. 3. Vous voulez booster le métabolisme? Cramer du gras? Que des pushes. Jusqu'au bout. Restez ici. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Plus bas. Plus haut. Plus bas, plus haut. Dernier.
Et stop. Et je te jure que la carnitine, ça te fait 10 fois plus transpirer, Boubou. Mamma mia. Regardez ça. Ça dégouline. D'habitude, ça coule, mais là, ça dégouline. Hein. On élimine le gras. Allez, parfait. Ce qu'on va faire, c'est que on va travailler nos triceps. Ok? Donc prenez peut-être des poids plus légers. On va pré-fatiguer et ensuite on aura des mouvements globaux avec des pompes, des barres au front et des développés. Mais d'abord, quelques kickbacks, donc un poids léger et un poids lourd. Allez. Tac, les poids lourds, le poids léger. Tac. À proximité. Donc le premier mouvement, c'est un kickback. Ok, ici, tu tends, tu reviens. Tu tends, tu reviens. On fera la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on prendra les poids pour quelques développés barre au front. Ici, on a le temps, on fera des pompes. Si on a le temps. 4 minutes pour vos triceps. En avant les courbatures. Hein. C'est parti. Commencez par le bras que vous voulez. Mettez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Attrapez le poids. Gardez les abdos serrés. Tirez, kick back. 1. Kick back 2. Ramenez. Reposez. Même chose. 1, je tire. 2, je tends. 3, je remène. Et 4, j'accélère. Single. 1, 2, 2 et 1. Comme si vous voulez donner le poids à quelqu'un qui est loin derrière vous. Allongez, sentez l'arrière du bras qui crame déjà. Plus intense, triple kickback. 3, restez en haut. 2, 1, en bas. 3, 2, changez de côté. Tirage kickback, 2, 2. Tirez, tendez, ramenez et reposez. Vous contrôlez d'abord dans un premier temps. Cherchez les sensations. Accélérez, single, lève, tend, ramène et pause. Allez les filles, accrochez-vous. Génial. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Les triples kickbacks, restez en haut. 3, 2, 1. En bas, c'est le dernier. 3, 2, 1. Et reposez. Isolation terminée, prenez vos poids un peu plus lourds. Premier mouvement, barre au front. Donc mettez les pouces contre pouces ici. Vous bougez à partir des coudes. 2 et 2. 1, 2. Et vous remontez. Pliez, pliez. Donc barre au front ou haltère au front. Vous amenez au niveau du cuir chevelu ou même plus haut que votre tête. En bas. Et tendez. Gardez le coude juste au-dessus de vos épaules. Ça tremble, hein? Excellent. On change de rythme. 1, 1, 2. Stop, stop. En haut, haut. Excellent. Stop. Génial. Dernier. On inverse 3 et 1 lentement. Lent, 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 rapide. Oh! Je vois vos têtes à la maison là. Je suis sûr que ça brûle. Dernière fois. Ok, développé, serré, en bas, en haut. Donc cette fois-ci, les coudes touchent le t-shirt. Rentrez bien. Rappelez-vous qu'on finira par des pompes. Hein? Accélérez, single, bas, haut, bas, haut. Le nombril est rentré. Poussez fort avec l'arrière du bras. Vous voulez de la brûlure ou pas? Je vous la donne. Triple pulse en bas. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh là là, si vous avez pris trop lourd, bonne chance. Bonne chance. Stop. Finissons avec quelques pompes. Si vous avez des haltères comme moi, c'est cool parce que sans se faire mal au poignet, vous allez pouvoir descendre en bas et en haut. Plus vous rapprochez vos genoux, plus c'est facile.
Sinon, reculer, accélérer. Bas, haut. Bas, haut. D'accord. Plus vous ramenez, même si vous avez une petite amplitude, c'est OK. Mais serrez les coudes. Gros challenge. Ralentissez, super lent. 4, 3, 2, 1. Maintenant, il faut remonter. Ça a changé d'horaire. Il n'y a pas cours ce soir. Vous ne lisez pas mes mails. Lent vers le haut. Bloqué en bas. Wow. Ouais, exceptionnellement, cette semaine, les cours sont l'après-midi. Parce que le soir, on a un petit challenge ventre plat dans le groupe des moments sportifs à la maison. Mais au moins, vous pouvez faire les cours soit l'après-midi, soit en replay dès que vous avez fini de bosser. Ok, le pump full body. Ça déboîte. Triceps. On va finir avec un petit peu d'abdos. Ça vous dit? On a fait les cuisses, les fesses, on a fait le dos, on a fait les triceps. Finissons par les abdos. À peu près 5 minutes d'abdos pour clôturer ce cours de la semaine, premier cours de la semaine. On y va. On envoie, mettez-vous au sol. Pareil, on pré-fatigue. Avec un poids ou non, c'est vous qui décidez. C'est cool avec un poids. Avec un poids, c'est cool. Ça va faire mal, prenez-en qu'un. Ok, pied au sol. Poids sur le front, rentrez le nombril, décollez, 2 et 2. 1, 2, 2, 1. Enroulez la colonne vertébrale. Regardez entre vos genoux. Suivez-moi, si crunch, décollez les pieds en même temps. En haut, haut, bas, bas. Soufflez bien par la bouche à la montée, objectif. Dessinez les tablettes de chocolat. Parlez de la différence ce soir. 1, 1, 2. Stop, stop, bas, bas. Rentrez le nombril. On travaille le grand droit. Stop. Ok, tendez les bras allongés vers le haut en décollant. Donc, légère différence ici. Je garde les bras tendus au-dessus des épaules. J'allonge le regard sur mes doigts. Même chose, tendez les jambes. 1, 2, et descendez. Allongez. Si les jambes vous gênent, gardez-les au sol. Génial. Ok, la suite, bloqué en haut. 1, tendez. 2, ramenez. 3, posez. 4. 1, 2, 3, 4, gardez ça encore deux fois. Soufflez, allongez, soufflez, posez. Dernière fois. 1, 2, 3, 4. Ok, la suite. Oblique. Comment travailler les obliques sans le poids? Mettez-vous ici sur le côté. Jambes fléchies. On y va, décoller, coude à genoux. 1, 2, tendez. En haut, en bas. Option avec les deux jambes. Ça défonce le gras. Accélérez, single. Haut, bas. Haut, bas. Option, c'est de garder une jambe au sol. De ralentir. N'en faire qu'une sur deux, par exemple. Ça crame bien. 8 de plus. Wow, take my breath. Sentez ou pas là? Oblique. Ouh, encore deux. Dernier. Stop. Demi-tour. Même chose. Replacez-vous au sol. Pliez au départ dessous. Tendez dessus. 2 et 2. En haut. En bas. En haut. Accélérez. Single. Il y en a 16. Accrochez-vous une jambe ou les deux, comme vous préférez. Vous êtes sur une fesse. J'ai le micro qui me gêne, ça va mieux. Sur une fesse. Allez, 8 de plus. Sinon, juste ça. C'est parfait. Contractez bien. Décollez votre épaule du sol. 2, 1, stop. Gainage. Comme vous voulez, pointe de pied.
sur les avant-bras ou sur les mains, comme vous préférez, en avant, en arrière. Appuyez fort dans vos avant-bras ou dans vos mains. Il faut être comme ça. Mais tout le monde pointe de pied. Travaillez le transverse. Soufflez. Dernière seconde. Stop. Stop. Option, changer de position. Tenez, rentrez le nombril. Rentrez. Soufflez. Et relâchez. Eh ben. Ah, j'ai bien senti. Est-ce que vous l'avez bien senti, les filles, ou pas? Oh là 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 là. Eh ben, ma foi, c'est plutôt pas mal pour un cours de renfo. 230 calories en 30 minutes. Voilà, je vous prépare le cours de demain. Je vais vous le mettre peut-être sur le groupe juste après. Je vais vous prendre une petite pause. J'ai un rendez-vous, je crois. Et ensuite, deuxième cours, ça sera le cours de demain en avance. Et demain, je vous préparerai le cours de jeudi et de vendredi parce qu'on sera à Bruxelles. D'ailleurs, c'est des mamans qui sont de Bruxelles. On pourra se prendre une petite gaufre, si vous voulez. Voilà, bravo à vous. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ce cours. En tout cas, ce soir, on est en live dans le groupe des mamans sportives à la maison à 18h30 pour parler de ventre plat, pour parler de bilan, de nutrition, de sport et de motivation et de routine. À tout à l'heure, je fais des bisous.